J'ai le plaisir d'inviter M. André Dudomaine, le directeur de Terres en vue, à bien vouloir vous adresser la parole. André, s'il vous plaît. Oui, oui, Radia, bonjour. Belle et grande journée des peuples autochtones. Journée de solidarité, journée où il fait beau, journée de réjouissance. Elder de Ganawagi, M. Billy Two River, m'a déjà dit, in the Indian tradition, we don't pray. We don't need to pray. We have everything that we need. This has been given to us. Nous n'avons pas à demander, nous avons à remercier. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour rendre grâce de toutes les richesses de la terre et du ciel. Et c'est donc une tradition importante, une commémoration importante. Je voudrais saluer tous les artistes, les drummers, les tambours, les danseurs, tous ces gens qui représentent la tradition vivante des peuples autochtones et qui sont venus. Témoigne ainsi de notre attachement à la sagesse ancienne qui nous est léguée, aux rituels, aux chants et aux traditions que nous maintenons vivantes sur le sol qui les a fait naître. Fils et filles de la terre, nous fêtons notre appartenance au cercle. Les marionnettes, la danse. Écoutez, Terre en vue fait depuis des années des activités pour les Premières Nations pour qu'on ait une présence. Les Autochtones du Québec, la Coalition pour les droits des peuples autochtones du Québec, Amnesty International Canada francophone, Greenpeace Québec, la Fédération des femmes du Québec, l'Association pour la solidarité syndicale étudiante, la Confédération des syndicats nationaux, le Conseil central du Montréal. Attention, je demanderais Gustavo, s'il vous plaît. Gustavo! Oups, c'est une petite interruption. le Conseil central du Montréal métropolitain et de la Confédération des syndicats nationaux, la Fondation David Suzuki, le groupe de recherche et d'intérêt public de l'UQAM, le Réseau québécois des groupes écologistes, Nature Québec, la Fondation Rivière, les Amis de la Terre de Québec, le projet Accompagnement Québec-Guatemala, Tonosport Guatemala, The Native Youth Sexual Health Network et
SES.gam. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Ça fait aujourd'hui littéralement 6 mois, jour pour jour, qu'on a commencé les marches à Montréal pour I Don't Know More. Ça a commencé le 21 décembre, notre première marche I Don't Know More. Et oui, on est encore là! 21 juin. Et si je peux vous dire une des plus belles choses que j'ai découvert, c'est déjà d'avoir des amitiés encore plus fortes avec ceux que j'avais déjà comme amis, mais aussi d'avoir créé une solidarité avec des groupes que j'aurais jamais pu penser qui voudraient avoir une solidarité avec nous. Je veux dire, on a travaillé très proche avec, que ce soit la FFQ, avec Greenpeace, que ce soit avec... vous reconnaissez, hein? Et que ce soit avec toutes sortes d'organismes, je veux dire, même pour se rendre prochainement, on va aller en Alberta pour témoigner des sables bitumineux, parce que c'est un projet qui va toucher tout le monde au Canada, qu'on soit autochtone, non-autochtone, francophone, anglophone. Là, ça dépasse nos choix politiques. Ça va aller pour toucher directement nos vies. Donc, des pipelines, il y a même des très belles prophéties qui parlent de serpents géants qui vont traverser le pays, qui vont le détruire. Et je pense qu'il n'y a pas une symbolique plus forte que celle des pipelines qui vont traverser notre pays. Alors nous, on veut aller pour pouvoir donner de la solidarité et créer cette solidarité-là parce que si on travaille chacun de notre bord, oui, on peut accomplir des choses. J'ai souvent fait l'analogie de l'ours brun. T'sais, on peut se lever, nous, les Premières Nations, être un ours brun. Mais si on se lève tous ensemble en tant qu'un peuple, on peut devenir un maudit grizzly et faire bien peur à quelqu'un qui est sur sa colline. Donc, 21 décembre, c'était pas la fin du monde, c'était une révolution autochtone. Et qu'on est bien contents que vous soyez ici aujourd'hui. Puis on remercie vraiment la solidarité que vous pouvez permettre de créer parce que je viens quand même d'une jeunesse où est-ce qu'on était vraiment, c'était la ségrégation autochtone et non autochtone. Puis maintenant, je veux dire, on marche ensemble. Donc, moi, ça donne de l'espoir pour les 7 générations futures si on peut continuer dans cette allée-là. Alors, je vous dis, tchénèche maintenant. Thank you.
Everybody say suicide. Can everybody say suicide? Suicide! Suicide no more! Suicide no more! Suicide no more! Suicide no more! Suicide no more!